On dit que dans nos campagnes, la nuit de Noël, celle où naquit dans la paille un enfant du ciel, on dit que dans la nuit fraîche où l'étoile luit, les animaux à la crèche viennent à minuit. À minuit, laissant leurs chaînes, vaches et chevaux, chèvres, moutons tout en laine, avec leurs agneaux, dévotement s'acheminent à travers les champs, marchent, galopent, trottinent auprès de l'enfant. Mais, dans beaucoup de villages, les temps ont changé. Plus de chevaux, plus de vaches. Les ont remplacés des tracteurs, des moissonneuses qui s'en vont aux champs, grosses bêtes laborieuses. Les champs sont si grands. Or, dans un de ces villages, en cette nuit-là, dans les maisons, les garages, tout ne dormait pas. Se retournant dans leurs chambres, les cultivateurs eurent l'impression d'entendre un bruit de moteur. Entrebâillant leurs fenêtres, ils ne virent rien, sauf peut-être, oui peut-être, là, sur le chemin, comme une ombre se déplace un gros animal. Voyons donc ce qui se passe, ce n'est pas normal. Sur la route se dépêchent tous les villageois. Ils arrivent à la crèche, baraque de bois. Ils arrivent et s'affolent, regardent dedans. Les machines agricoles réchauffaient l'enfant. Les moissonneuses batteuses et tous les tracteurs, les herses, les ensileuses ronronnaient en chœur. On dit que dans le village, cette Noël-là fut si belle, fut si sage que jamais on l'a.